Bonjour à toutes et à tous, je suis Amar, secrétaire générale du STRAS et travailleuse du sexe. Donc aujourd'hui, en cette période de confinement, force est de constater que les travailleurs et travailleuses du sexe sont profondément invisibilisés. Nous sommes, comme la plupart des travailleurs et travailleuses précaires ou appartenant à l'économie informelle, exclus, des discours de prévention. Il n'existe pour nous aucun ou très peu de recours pour suppléer l'absence de revenus générés par nos activités. Comme vous le savez, nos droits en tant que travailleurs ou travailleuses ne sont pas reconnus par l'État et nous ne disposons pas, pour la majorité d'entre nous, d'un statut nous permettant de prétendre aux aides proposées par Emmanuel Macron. Cet état de fait vient redoubler les dommages provoqués par la loi de pénalisation des clients et engendre des conséquences économiques et financières dramatiques pour l'ensemble de la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe. Les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus, le confinement, l'adoption des gestes barrières que nous suivons, comme l'ensemble des travailleurs et travailleuses aujourd'hui, nous plongent donc dans une précarité extrême. Et même si certains et certaines d'entre nous ont choisi de travailler virtuellement, ce n'est pas pour autant une solution accessible à l'ensemble de notre communauté, parce que nous risquons de perdre notre anonymat, parce que nous risquons de nous faire cyberharceler et parce que nous devons disposer d'une connexion Internet stable. Donc dans ce contexte, il nous est apparu urgent de créer une cagnotte. Nous appelons donc l'ensemble de nos alliés à se mobiliser pour que les plus précaires d'entre nous ne soient pas frappés de plein fouet par cette période de confinement et puissent se protéger correctement afin de réduire véritablement les risques. Merci à toutes et à tous pour votre solidarité.